peux le dire. Shalom, shalom à nous qui sommes déjà connectés sur la bonne adresse www Facebook. Voilà, donc nous sommes sur la page de l'apôtre Bolavie ou encore sur le compte de l'apôtre Bolavie. Et aujourd'hui, nous sommes là pour passer encore du très beau moment dans la présence de Dieu, comme la Bible le déclare. Il est doux et agréable pour deux frères et sœurs de précéder l'aurore. Alléluia, d'être ensemble, Amen. de passer du beau moment dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes très contents et très bénis parce que, voilà, donc Dieu nous fait encore la grâce d'avoir parmi nous la servante de Dieu, Pasteur Honorine, qui nous a rejoints. Donc aujourd'hui, elle est là, elle est là, elle est là en forme. Ça faisait quelque temps qu'on ne l'avait pas vue parce que, comme vous savez, elle a beaucoup d'obligations, elle a beaucoup d'occupations. Maman, pasteur à l'église, femme au foyer. Donc voilà, parfois, elle est aussi, elle travaille aussi de temps en temps. Donc voilà, donc c'est comme ça que parfois nous ne la voyons pas. Mais même quand elle n'est pas là, elle est toujours là parce qu'en moi, elle est là. Donc bonjour, shalom, pasteur Honorine. Bonjour, shalom, peuple de Dieu, shalom, homme de Dieu, apôtre Bolavie. Ça, raison pour laquelle j'aime bien Jésus-Christ. Hein? J'aime beaucoup Jésus-Christ, je l'aime, je l'adore. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que lui qui reste fidèle. Il reste fidèle. Nous, nous sommes des humains, nous sommes faits de chair et de sang. Même quand nous prenons l'engagement de dire que ah, nous serons là, nous allons être là tous les jours, mais étant qu'humains, Ça arrive, ça arrive, ça arrive, nous oui. faillissons toujours dans nos engagements, mais lui, il reste fidèle. Donc, malgré nos absences, tout ça, mais lui, il a toujours été là. Tous les jours, ça va faire plus d'un an que nous sommes dans l'aurore. Jésus-Christ a toujours été au rendez-vous et nous avons expérimenté sa puissance parce qu'il est parmi nous. Nous bénissons son nom et nous te bénissons, toi qui es là, qui nous suis en ce moment. Nous te bénissons parce que tu es fidèle dans l'aurore. Ça veut dire que tu es fidèle en ton Dieu parce qu'il nous demande de précéder l'aurore justement tout le matin, de regarder à lui, d'espérer à lui. Raison pour laquelle nous sommes là encore ce matin. Et nous voulons tourner nos regards vers le seul homme qui peut nous secourir, parce qu'en dehors de lui, il n'y a personne qui nous donne du secours, il n'y a que lui. Tout ce que nous pouvons chercher, tout ce que nous pouvons espérer, tout ce que nous pouvons, je ne sais pas où, mais c'est toujours en Jésus-Christ que nous pouvons tout avoir, tout retrouver, parce qu'en lui résume et se trouve toute chose que nous voudrons, que nous avons envie de chercher dans la vie, dans le monde en tout cas. Nous bénissons son nom parce qu'il est là et nous voulons que le Saint-Esprit de Dieu nous accompagne encore une fois. Ah, tu es très beau, apôtre Bolavie. À Hein? Comme chanter. ça. Comme ça, tu es très beau. Voilà. Voilà. Bon, nous sommes là pour parler de la part de Dieu. Bon, Amen. voilà, donc ça fait quelque temps que nous sommes en train de parler sur le divorce et le remariage. Donc, je dirais, nous avons posé la question hier ou avant-hier aussi. Donc, nous nous disons, est-ce que quand le couple est en crise, donc la meilleure solution c'est quoi? Est-ce que c'est de démolir la maison, c'est-à-dire que cette couple doit être démolie, ou bien il est capable d'être encore restauré, c'est-à-dire que nous puissions rebâtir encore notre couple, investir pour essayer de sauver le couple. Et ça, c'était vraiment la question que nous avions essayé de répondre ensemble avec le peuple de Dieu, surtout à la lumière des Écritures. Et aujourd'hui, nous sommes encore là pour essayer de comprendre est-ce que Dieu, la Bible, autorisait-elle le divorce? Donc, c'était la question que nous nous étions posée hier. Donc, si la Bible était pour le divorce et pour le remariage. Et pour cela, nous étions dans le livre de Matthieu, chapitre 19, le verset 9. Donc, là, Jésus était piégé par le pharisien, mais il va répondre. Et sa réponse nous a aidés enfin de comprendre quelle était sa volonté par rapport au divorce et surtout quelle était sa volonté par rapport au remariage. Donc, je dirais à travers cette écriture que le divorce est possible. Donc, je dirais Dieu tolère le divorce à cause de l'endurcissement du cœur de l'homme. Mais voilà. Donc, Dieu n'est pas pour le divorce parce que pour Dieu, le mariage est un lien permanent. Donc, quand les gens se marient, ils se marient pour l'éternité. Nous avons vu dans la Bible des hommes qui s'étaient mariés, des hommes qui ont connu des difficultés dans le couple parce que nous devons savoir que nous sommes humains. Il n'y a
pas d'homme parfait, il n'y a pas de femme parfaite. Et je crois que ceux qui sont passés par les divorces seront d'accord avec moi en disant que même l'homme qui croyait être parfait, après avoir passé quelques années avec cette personne, elles ont vite compris que lui non plus n'était pas parfait. Donc, ça ne servira à rien de changer ou de quitter d'une relation à autre. Donc, si c'était possible d'arranger, si c'était possible d'investir pour restaurer, pour sauver ces couples, ça serait une bonne chose. Donc voilà, Pasteur Honorine, là où nous étions. Donc nous étions vraiment dans le livre de Matthieu chapitre 19, le verset 9, pour connaître la pensée de Christ. Et je ne sais pas si tu as un apport à nous apporter par rapport à la question aujourd'hui encore. Gloire au Seigneur, moi j'aimerais rajouter une chose par rapport, j'aimerais vraiment, homme de Dieu, à la clôture de ces chapitres, si nous pouvons ouvrir les téléphones, répondre aux questions du bien-aimé. Et beaucoup de personnes nous posent des questions justement par rapport à ça. Nous sommes pasteurs, nous sommes femmes, nous sommes épouses, et nous aimerons vraiment apporter la lumière et aider quelqu'un dans cette Donc, procédure. tu dis que nous puissions laisser le téléphone ouvert. Non, oui, je propose que, Maintenant. non, pas maintenant, à la fin de ces chapitres, quand nous allons clôturer ces Ah, chapitres, donc demain, nous par pourrons, exemple, demain, demain. par exemple, nous pouvons faire participer nos bien-aimés parce qu'ils ont tellement beaucoup de questions, parce que la Bible, le Seigneur n'aime pas les divorces, mais le Seigneur permet les divorces. Pourquoi? Parce que, comme vous avez dit, l'endurcissement de cœur, il y a des gens qui ont essayé de vraiment de maintenir, de supporter, mais il y a de l'autre côté, il y a rien qui change. Il y a des gens qui aimeraient bien que tu l'acceptes comme ça, tel qu'il est, tel qu'elle est, que tu l'acceptes comme ça. Et quand tu commences à le booster, à changer, et ils n'aiment pas, ils pensent que c'est toi qui as changé parce que tu l'avais accepté comme ça et Donc, maintenant tu changes. gloire à Dieu, Mais Pasteur Honoré. maintenant. Attends, je vais te couper juste la parole, puis je vais revenir. Donc, demain, nous allons dire, donc demain, nous allons clôturer Bon, on avec se ces fait une chapitres, hein, invitation, oui. et demain, déjà, nous allons travailler avec les téléphones ouverts. Donc, vous avez notre téléphone qui est le 00 32 486 813 488. Et Donc, aussi, nous aurons les questions, les oui, donc. réactions des gens qui vont écrire D'accord, aussi. Nous donc pouvons. demain, qu'est-ce que nous allons faire? Nous serons là et nous serons ouvertes au téléphone. Nous allons recevoir vos appels pour qu'ensemble nous puissions essayer de répondre. Parce que comme Pasteur Honorine l'a dit, il y a des gens qui ont des questions et qui aimeraient poser leurs questions et que nous puissions répondre. Bon, Voilà, donc demain c'est fixé ok, alors. il y a beaucoup de gens qui ont des questions, qui aimeraient vraiment avoir des éclaircissements. Là, Gloire à Dieu. oui, j'essaie justement de répondre à une des questions qui m'a été posée. Et la personne dit que, en tout cas, Maman Honorine, vous dites sur nos apôtres, vraiment, apôtres insistent sur le fait que Dieu n'est pas d'accord avec les divorces, mais même quand il dit que Dieu permet les divorces, mais il revient toujours que on devrait pas, on devrait se supporter. Ami, moi, je suis passé par tout ça. Moi, ça fait des années, des années, des années. Je ne sais pas si ma vie est résumée seulement à supporter quelqu'un ou à un sacrifice, mais ça fait très, très longtemps que je supporte cette personne-là. Et quand j'essaie de booster cette personne, de le pousser en avant pour qu'il puisse changer par rapport à son comportement, par rapport à son implication dans le couple, c'est cette personne-là qui pense que moi, je ne suis plus normal parce que je connaissais cette situation, parce que je l'ai trouvée comme ça et c'est moi qui ai changé. Donc, pour cette personne-là, je dois, c'est apprendre à laisser. Et à chaque fois que je le pousse à changer, il y a toujours des problèmes. Et dans mon cas, est-ce que je dois vivre ma vie, une vie de sacrifice, ou je dois divorcer quand même? Parce que là, je suis à bout. Si je ne divorce pas, je pense que moi, je vais faire une crise cardiaque, je vais mourir. Alors moi, je vais répondre à cette personne pour dire que le but, ce n'est pas mourir. Si je reviens aux enseignements de base que nous avons eu à la Divine Alliance, raison pour laquelle je t'invite toujours à venir les samedis pour prendre les affermissements, les enseignements de base, pour dire que la chose la plus importante dans la vie d'une personne, c'est le salut. D'abord, c'est recevoir Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Nous pouvons manquer le mariage, nous pouvons manquer les biens matériels, nous pouvons manquer les enfants, nous pouvons tout manquer, mais la chose que nous devons jamais rater, manquer, c'est avoir Jésus dans notre vie. Donc, ça veut dire que quand nous avons Jésus, nous avons tout. Et si même, quand bien même nous n'avons pas le mariage, ou que le mariage se termine, mais au moins nous avons Jésus-Christ. Donc, nous ne mourrons pas à cause du mariage. Si nous devons mourir, la cause de notre mort, ça doit être Jésus-Christ, comme les héros de la foi qui ont été assassinés pour Jésus, comme les gens qui ont évangélisé Jésus et qu'on a tué, qu'on a maltraité, des martyrs, tout ça. Ça, nous devons mourir pour Jésus. Mais pour la personne qui est faite de chair et de sang,
Nous ne devons pas mourir pour cette personne. Dans le mariage, je veux dire quoi? Le mariage ne doit pas t'amener à la mort. Donc, si ce mariage-là, le terminus de ce mariage-là, c'est ta mort, ça veut dire que ça ne sert à rien. On va conseiller, si c'est possible, de rester, parce qu'il y a des enfants. On va essayer de garder cette unité. On va essayer vraiment d'essayer de trouver des résolutions de voies et moyens. Mais quand, à la fin, il n'y a plus moyen, on ne sait plus, et que maintenant, il y a question de vie ou de mort, et s'il faut choisir entre la vie et le mort, nous ne marions pas pour mourir, nous ne marions pas pour nous suicider, nous ne marions pas pour avoir des hypertensions, des crises cardiaques, tout ça. Si ça doit nous amener à la mort, parce qu'aujourd'hui, si tu n'es pas là, les enfants sont victimes de votre mariage, ça c'est encore une autre histoire. Mais moi, aujourd'hui, j'aimerais apporter un apport, ça c'est vraiment pour répondre à cette personne-là, pour dire que nous ne t'obligeons pas à rester marié, mais nous te conseillons à trouver des solutions. Et quand même qu'il n'y a pas de solution, essaye encore, parce qu'avec Dieu, nous disons que c'est Dieu qui nous aide, c'est lui qui nous apporte la solution. Mais quand c'est question de vie ou de mort et que maintenant on ne peut plus, là on ne peut pas te dire non, reste là pour mourir, non, parce que nous avons vu nos parents sont morts à cause de la mort du mariage, il y a beaucoup de gens qui ont été victimes à cause du mariage, nous ne souhaitons pas que cela arrive. Raison pour laquelle tu pourras divorcer, mais vraiment, en tout cas, dans ces causes-là. Mais sinon, si c'est possible d'arranger, tu peux toujours arranger. Moi, aujourd'hui, l'apport que j'ai apporté, c'est vraiment parler d'un mariage, de remariage. Le remariage, homme de Dieu, c'est possible. Dans la Bible, nous avons parcouru, nous avons vu que le remariage était possible. Donc, la personne a droit de refaire la vie. C'est vraiment avec son choix. C'est les libres arbitres de la personne. Est-ce que tu permets que je récorrige un peu par rapport à ce que tu as terminé? Parce que je voulais dire que nous ne permettons pas aux gens de divorcer. Quand nous le disons, ça, c'est quoi? Ce n'est pas nous. Nous cherchons. Donc, c'est Dieu qui parle. Et Dieu nous dit. Donc, il n'est pas pour le divorce. Donc, voilà. Donc, c'est pas nous, comme on l'a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 19, le verset 9. Et nous avons dit encore le livre de Malachie, chapitre 2, le verset 13 à 16. Dieu nous montre qu'en Israël, vous savez, à l'époque, c'était la femme n'avait pas le droit des divorces. C'était à l'homme de demander les divorces. Et qu'est-ce que les hommes faisaient? Quand ils devenaient plus vieux, donc ils se cherchaient de moyens pour s'en débarrasser de leur femme. Parce que les femmes aussi étaient vieilles. Donc là, ils trouvaient des femmes moins âgées que leur femme. Donc ça, et là, ça le permettait d'échanger des femmes. Et Dieu était contre ces comportements. C'est pourquoi quand tu vois dans le livre de Malachie, chapitre 2, verset 13 à 16, Dieu, il parle au peuple d'Israël, dit, j'ai été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Donc, tu ne peux pas la quitter maintenant parce qu'elle est devenue vieille pour aller trouver une autre qui est plus éclatante. Donc, Dieu n'a jamais été d'accord. Et hier, j'ai insisté en disant que même dans le couple où il y a de problème d'impuissance sexuelle. Donc, Dieu ne te permet pas de divorcer parce qu'il y a un problème avec l'impuissance sexuelle. Je dis encore aussi, il y a aussi le problème de la stérilité au niveau de la femme. Toutes ces raisons-là, ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Donc, moi, ici, je suis en train d'interpréter les Écritures. Donc, mais je dis, la vie d'une personne vaut plus que le mariage. S'il y a des coups et s'il y a des violences, donc je dis à la personne, tu dois quitter ce genre de couple parce que tu risqueras de perdre ta vie. D'accord? Donc, c'est un peu ce que je voulais apporter comme apport. Comme on dit, la violence, ce n'est pas seulement physique, hein, la violence mentale, psychologique, il y a des violences, il y a des gens qui c'est, on va dire, lavement du cerveau, quelqu'un qui se réveille un beau matin, qui se rend compte que j'ai toujours été manipulé, c'est plus que les violences physiques, donc c'est vraiment les choses qui poussent les gens à divorcer. Mais en tout cas, moi, j'aimerais dire que le remariage, c'est possible. Et maintenant, c'est vraiment ton choix, c'est libre arbitre, c'est comme tu veux. Si tu veux, tu as... Ici, je veux parler d'Abraham, tu vois, Genèse chapitre 25. Genèse chapitre 25, qui a été l'homme idéal, vraiment le mari et le pouls d'une seule femme qu'on appelait Sarah. Sarah, la femme de sa jeunesse, la femme de sa vie. Ils ont commencé de rien, ils ont quitté le village natal, ils sont partis à l'aventure, si je peux dire comme ça. J'aime bien cette histoire, c'est vraiment une histoire d'amour passionnant. Ils ont tout laissé, ils ont quitté leur famille, ils sont allés à l'aventure, ils n'avaient rien, ils sont partis chercher. Dieu les a orientés et ils ont vécu leur vie avec le haut et les bas, les stérilités, les choses comme ça, les guerres, les divorces, les séparations avec les membres de la famille, l'autre, il y a toutes ces histoires-là.
l'amour de sa jeunesse, mais un beau jour, qu'est-ce qui s'est passé? Sarah était morte. Sarah était morte Nous sommes humains. et nous sommes humains, il y a une fin à tout. Sarah était morte et Abraham est resté, mais il avait le choix de rester comme ça, de garder ses enfants ou de se remarier, mais il a fait le choix de se remarier et ce n'était pas interdit. Il s'est remarié, il a encore retrouvé le bonheur. Il y a des gens qui pensent que quand la femme est morte, on ne peut plus continuer parce que les gens vont te pointer du doigt, les gens vont te C'est juger. Genèse combien? C'est Genèse chapitre 25, OK. tout au début de l'histoire d'Abraham prit encore une femme nommée Keturah et avec elle, ils ont aussi fait des enfants. Donc par là, tu réponds que la Bible permet le La Bible remariage. permet le remariage. Ici, le remariage en cas de on va dire, de, comment on dit, de mort. Donc, il est devenu veuf. Et, parce que la Bible nous dit, quand nous nous marions, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et c'est la Donc, mort qui nous a voilà. séparés. Donc, moi, je dirais que, donc, comment dirais-je? Je dirais que l'union peut être brisée, mais pour des raisons valables. Et la Bible nous donne une des raisons, la Bible nous dit, c'est l'infidélité. D'accord? Donc, là où il y a l'infidélité, Dieu permet les divorces. Mais je voulais dire encore qu'il y a beaucoup de mariages qui ont été brisés, soi-disant, à cause de l'infidélité. Or, quand nous regardons dans Matthieu chapitre 18, versets 21 à 22, nous voyons que ce couple qui a été brisé pouvait aussi être sauvé s'il y avait eu le pardon. Mais pour qu'il y ait pardon, même Dieu, avant de nous pardonner, il faut quoi? Il faut que nous puissions reconnaître notre faute. Il faut que nous puissions la confesser. Il faut que nous puissions lui dire que, Seigneur, nous n'allons plus recommencer. Et donc, ce travail doit être fait. Donc, ta femme attend à ce que tu puisses reconnaître que tu avais mal agi et que tu promets que tu ne vas plus recommencer. Mais c'est vrai que souvent, il y a déjà des dégâts, hein. Il y a un enfant qui est là. Et toi, tu dis que tu ne vas plus recommencer, mais cet enfant-là, tu dois le prendre en charge. Donc, toutes ces choses, c'est pourquoi la Bible nous dit, le problème de l'infidélité, c'est très important. Il faut vraiment que nous puissions rester fidèles. Mais le problème que j'aimerais attirer ici, vraiment, homme de Dieu, j'aimerais que tu me corriges si je ne suis pas dans cette pensée de Dieu, que quand il y a le remariage, le problème, c'est quoi? Les parents, les papas, la maman, doit maintenant, par rapport aux enfants, parce qu'Abraham s'est remarié et Abraham a eu d'autres enfants. Abraham avait Ismaël, il avait Isaac. Et à ce que moi je sache, il avait aussi d'autres enfants avec des concubines. Et maintenant, il s'est remarié et il a eu Keturah avec d'autres enfants. Mais qu'est-ce qu'Abraham a fait tant qu'un homme équitable? Qu'est-ce qui fait que toi tu es remarié, que tes enfants te haïssent? Qu'est-ce qui fait que toi tu es remarié et que dans ta maison, il y a des bandades, les enfants ne s'entendent pas, les enfants ont la haine, les enfants ne supportent pas? C'est pourquoi? Parce que nous ne prenons pas notre responsabilité en main. La Bible dit quoi? Le verset Genèse chapitre 25, le verset 5. Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Abraham donna tous ses biens à Isaac. Ses biens à lui, il s'était remarié, mais ses biens, son héritage, il l'a donné à son fils. C'était son premier mariage, c'était son droit. Donc, il ne peut pas dire que, ah non, maintenant on va construire. Il y a des gens comme ça qui se remarient, les enfants qu'on a fait avant, on on rejette, les abandonne. On les abandonne. Maintenant, moi, tu vas voir l'homme qui dit à la femme, moi, j'aimerais que tes enfants partent. Moi, pourquoi? Parce que lui, il a déjà abandonné ses enfants. On va recréer notre monde à nous avec les enfants qu'on fait maintenant et on abandonne les autres. Et ces enfants-là sont victimes de qui? Qui les a appelés à venir au monde? Est-ce que c'est leur faute si vous êtes séparés ou vous êtes remariés? Non. Abraham a donné tous ses biens à Isaac. Qu'est-ce qu'il a fait aussi? Verset 6. Il fit don au fils de ses concubines. OK. Tu vois? Abraham, oh oui, tout le monde sait qu'Abraham avait Isaac, Ismaël, mais Abraham aussi avait des nzonzing, si on va dire comme ça, les gars-là. Il avait des nzonzing, il avait des ceci, cela. Il avait aussi des concubines. Donc, il avait aussi des enfants hors mariage, par-ci, par-là, en dehors qu'il s'est remarié avec Keturah. Et il a fait des enfants. Avec Keturah, il a fait quoi? Il a fait une lignée. Il a eu Zirma, il a eu Jotla, Médian, Madian, il a eu au moins 6. Mais la Bible nous dit, à part Isaac, Ismaël, et les 6 enfants de Keturah, Abraham, il a donné aussi des dons au fils de ses concubines. Donc, il a fait un partage équitable, égal, pour que les enfants, après sa mort, ou qu'il n'y ait pas de disputes, ça veut dire quoi? Comme il était riche, la Bible dit qu'il était fortement riche. Et des hommes qui ne sont pas riches, mais qui ont beaucoup d'enfants. Et qu'est-ce qu'ils ont laissé comme, qu'est-ce qu'ils vont laisser Ils comme ont laissé héritage? La haine. Tu vas voir les enfants, quelqu'un qui s'est remarié, mais ses enfants ne les supportent pas. Les enfants sont bénis, maintenant ils ont l'argent, mais ils n'aident pas leurs parents.
Pourquoi? À cause de cet égoïsme. Donc, les parents qu'on est, ici, Abraham était riche, mais même quand tu n'es pas riche, tu peux garder la bonne relation avec tes enfants. Tu t'es divorcé ou tu t'es séparé ou il y a eu le remariage avec les, mais avec les enfants, ce sont tes enfants. Tu dois prendre la responsabilité de tes enfants. Raison pour laquelle je ne suis pas d'accord. Je suis contre les femmes qui se remarient et qui négligent leurs premiers enfants, soi-disant pour garder le mariage avec l'homme qui vient. Je ne suis pas d'accord avec les hommes qui se remarient et qui négligent leurs premiers enfants parce qu'ils veulent fonder leur monde avec... Non. Les enfants qui sont venus du début jusqu'à la fin, même les Nzonzing, les Kokibine, ce sont les enfants que vous avez amenés. Donc, si tu ne voulais pas avoir des enfants hors de mariage, il ne fallait pas aller chercher les Nzonzing. Maintenant que les enfants sont là, les enfants n'ont rien. N'ont rien à voir. Donc, il faut... C'est comme ça que tu vas voir dans le famille. Nous sommes les familles, comment on dit, composées ou récomposées. Mais il y a la haine. Les enfants ne s'aiment pas. Il y a même les parents qui iront même à séparer les enfants entre eux. Ah, moi, j'aime pas, je vais vous pas. Savez, vous savez que vous savez, enfants surtout, touchent mes enfants. Surtout le maman, là, je vais insister sur le maman. Et l'homme a amené des enfants. Toi aussi, tu as amené des enfants. Il faut traiter les enfants de la même manière. Que les enfants que l'homme a amenés, que les enfants que vous avez fait ensemble, ce sont tous vos enfants. Parce que tu ne sais pas quel est l'enfant qui pourra aider l'autre. Amen. Donc, vous devez éviter en sorte que ces enfants puissent saillir. Donc, c'est votre responsabilité. Parce qu'un jour, vous ne serez pas là. Un jour, vous partirez. Et la vie va continuer. Peut-être que vous ne partirez pas. Vous serez là, mais vous serez vieux. Et ça veut dire que vous serez, mais vous serez pas dans la possibilité ou dans, avec la force de suivre l'éducation des petits-enfants que vous avez fait après. Mais ce sont les aînés qui vont. Moi, je parle de mon cas. Moi, je viens d'une famille récomposée. Okay. Homme de Dieu, aujourd'hui, si je suis en Europe, ce n'est pas mon père, ce n'est pas ma mère, ce n'est pas mes frères biologiques, mais c'est mon, on va dire, mon grand frère, si on va dire demi-frère. C'est mon grand frère, notre aîné. Donc, les premiers mariages de mon père, parce que nous, nous sommes ici, je voulais dire, troisième mariage de notre papa. Mais les premiers mariages de notre père, ce sont eux-là, nos grands frères, qui ont pris charge de nous. Quand nous sommes en Europe, même nos aînés, nos grands, ce sont eux-là qui ont pris charge de nous. Ce sont eux-là jusqu'aujourd'hui. Hein, la famille, papa n'est plus là, maman n'est plus là. Mais nous ne voyons pas cette différence. Nous voyons, ce sont nos aînés qui s'occupent de nous. Pourquoi déjà, nos parents étaient là, mais ils ne savaient plus nous suivre. Moi, un moment, quand j'avais quel âge? J'avais 15 ans jusqu'à 20 ans. J'habitais chez mon grand frère aîné. Et c'est lui qui avait pris charge de moi, c'est lui qui payait mon école, c'est lui qui me payait les professeurs à domicile, c'est lui qui me nourrissait, c'est lui qui me donnait tout. Donc, il n'y avait rien. Les parents étaient là, mais ils n'avaient plus de moyens. C'est mon grand frère qui s'occupait de moi. Je suis arrivé en Europe, c'est mon grand frère. Je suis arrivé ici, c'est ma grande sœur. Donc, tu vois pourquoi? Parce qu'entre les enfants, nous avons cet amour-là. Donc, nous, quand les gens disent, quand tout le temps je corrige mes enfants, quand les gens disent demi-frère, demi-sœur, moi, je n'appelle pas demi, parce que moi, je vis le vrai amour avec nos aînés. Avec, et c'est la même façon avec mes petites soeurs, on redonne cet amour-là parce que nous, on l'a reçu. Donc, les enfants n'ont rien à voir avec les remariages. Pasteur Honorine, tu m'as précédé dans mon thème parce qu'aujourd'hui, comme je disais, j'étais vraiment en train de parler de divorce et de remariage, mais surtout beaucoup plus dans le divorce. Donc, je voulais insister sur le fait si le mariage ou le divorce était toléré dans la Bible et dans quelles conditions. Parce qu'il y a un autre enseignement que je suis en train de préparer. Ça, c'est pour la semaine prochaine. Et là, je voudrais vraiment avoir ton intervention parce que là, je voulais parler du remariage. Comment faire pour réussir son remariage? Parce qu'il y a beaucoup qui ont qui étaient divorcés et qui ont échoué dans leur remariage. Donc, il y a certaines choses que nous devons... Donc, la Bible tolère le remariage. D'accord? Mais il y a certaines conditions que nous devons mettre en place pour que nous puissions réussir notre remariage. Donc, voilà, donc c'est précédé dans... C'est pour finir, pour dire que le remariage, dans ces cas comment on dit, de la mort qui nous a séparés, mais la relation pour réussir, c'est un des éléments aussi pour réussir notre remariage, l'équilibre entre les enfants. Donc, j'espère qu'on pourra, compter sur ton intervention le lundi. Oui, lundi, demain aussi. Donc, pour le lundi. On pourra compter sur toi, c'est pour le lundi. Oui, je promets au peuple de Dieu que c'est le lundi. Ok, d'accord. Voilà. Parce que le lundi, je sais que tu es souvent fatigué. Donc, ça, c'est vraiment les éléments hommes de Dieu pour l'équilibre, pour réussir le remariage, vraiment les enfants. Parce que quand les enfants ne sont pas équilibrés, quand il y a des problèmes avec des enfants, comment veux-tu être stable dans votre couple? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Abraham, il a vécu plus de 600 ans et tout ça. À la mort, quand il est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Ses enfants, les premiers étaient partis, mais la Bible dit Ismaël, Isaac,
Eux tous, c'est eux qui ont enterré leur père. Les enfants de concubines étaient là. Les enfants de Ketur étaient là. Mais les premiers, ce sont eux qui sont. Ben, ils sont venus, comme nous on dit, l'icône à famille. C'est eux-là. Donc Ismaël, étant qu'aîné, bien que ce n'était pas le fils de promesse, Ismaël était là, Isaac était là, et ils ont enterré leur papa avec les honneurs. Il n'y a pas eu le dispute le jour de l'enterrement avec Ketur, avec les enfants de Ketur. Donc tout le monde était là, non, mais avec l'encadrement des premiers enfants. Il y a des gens qui vont mourir hommes de Dieu. Il y a une bonne oui, partage. Il y a des gens qui vont mourir hommes de Dieu. Mais leurs enfants ne viendront pas. Parce que leur mariage a détruit la vie de ses enfants. Non, il y a des gens qui sont malades maintenant, mais leurs enfants morts. Ne veulent pas venir même le regarder. Il y a des gens qui ont oublié dans leur vie qu'ils ont eu des papas ou des mamans. Pourquoi? À cause de ça. Donc, vraiment, le remariage, pour le réussir, il faut garder l'équilibre avec les enfants. Ce n'est pas interdit, mais quand il y a des enfants en jeu, il faut faire très attention. Et sinon, parce que quand il n'y a pas la stabilité entre les enfants, votre remariage ici ne marchera jamais. Donc, voilà, donc, bien-aimé dans le Seigneur, donc, nous sommes là dans Précéder l'Aurore. Et comme nous avons dit, donc, demain, nous serons là. Et le téléphone sera ouvert. Et donc nous allons recevoir vos appels et ensemble nous allons essayer avec l'aide du Seigneur de répondre à vos préoccupations pour que nous puissions avancer dans ce que nous sommes en train de faire. Amen. Donc que Dieu bénisse l'intervention de sa servante. Je crois que ça nous a éclairé, ça nous a apporté beaucoup d'éclairage. Amen. Donc que Dieu bénisse. Donc moi je voulais insister sur le fait que il est important. Il est important que nous puissions nous asseoir, que nous puissions calculer les dépenses. Parce que la Bible dit, celui qui veut bâtir un tour, il doit s'asseoir et calculer les dépenses. Il y a quelqu'un qui veut s'engager dans le divorce. Je voulais simplement lui dire que le divorce coûte plus cher. Le divorce coûte énormément plus cher que si tu voulais simplement sauver ces couples. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils disent, ben d'accord, je vais m'en débarrasser de cet homme ici et puis ça ira, c'est fini. Non, bien aimé dans le Seigneur, je parlais des quatre choses importantes que tu dois t'attendre lorsque tu t'engages au divorce. Je parlais de problèmes de ta santé, je parlais de problèmes financiers, je parlais de problèmes des enfants, on a parlé de beaucoup de choses, servante de Dieu, je sais que tu n'étais pas là, mais ceux qui m'ont suivi. Donc, ceux qui m'ont suivi, elles ont entendu, ils ont entendu. Donc, c'est pour dire à quelqu'un, le pardon doit exister. Donc, le pardon libère. Et de l'autre côté, je dis à la personne, toi qui dis qu'on ne me pardonne pas, tu dois, donc, le pardon, écoute-moi, David a dit ceci dans le livre de Psaume, chapitre 32. Il dit, erré celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Qui est cet homme? C'est celui qui a confessé son péché. C'est celui qui a reconnu sa faute. C'est celui qui a abandonné le mal qu'il était en train de faire. Donc, on peut pas te pardonner en disant que d'accord, je la garde comme deuxième bureau et toi, tu m'as pardonné. Non! Tu ne peux pas me faire accepter de vivre dans un couple où il y a des femmes. Non, la Bible nous dit un homme pour une femme. D'accord? Une femme pour un homme. Donc, si je te pardonne, il faut que je sois vraiment sûr et certain que tu as arrêté avec tes bêtises. D'accord? Même Dieu, il nous dit qu'il est prêt à nous pardonner. Mais il veut aussi que de notre côté, nous puissions montrer aussi que nous avons fait d'efforts d'échanger. C'est pourquoi on dit, il y a à pour qu'il y ait pardon de péché, il y a la confession, c'est-à-dire déclarer ce que toi tu as fait. Qu'est-ce que tu as fait? Parce que tu veux le pardon, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as couché avec qui? Quelle bêtise que tu as fait, d'accord? Et tu le confesses et tu te réponds, c'est-à-dire que tu dis, je ne vais plus retourner. Il y a un enfant, d'accord? Ensemble, nous allons voir comment faire pour aider cet enfant. D'accord? Il faut pas dire que non, je suis allé dormir là-bas pour mon enfant. Non, l'enfant n'a pas, et tu n'es pas allé dormir là-bas pour l'enfant. Non, ce n'est pas une raison. D'accord? C'est comme ça que je dis, la stérilité de la femme, c'est pas une raison qui doit nous pousser, au divorce. D'accord? Même l'impuissance de l'homme. Ah non, parce que cet homme-là était impuissant. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'impuissance aussi, c'est une maladie et qui peut être guérie. D'accord? Donc, tout ça. Donc, nous avons dit, il est important que nous puissions nous arrêter et comprendre ces choses. Avant de finir, j'aimerais lancer un appel à un homme qui m'écoute en ce moment. J'aimerais dire que papa, je sais que tu as tant à gagner qu'à perdre. Tu n'aimerais pas divorcer avec ta femme parce que ta femme te pousse à bout. Ta femme ne veut plus de toi. Ta femme veut divorcer. Mais si tu veux sauver ce mariage, si comme moi, tu penses que le divorce n'est pas bon,
Hein, parce que peut-être que tu le dis, parce que tu le répètes ou tu le sais que le divorce n'est pas bon, mais j'aimerais que tu t'impliques pour que ce divorce ne soit pas le cas. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois marcher dans la vérité avec ta femme. Parce que la chose qui pousse ta femme à te rejeter, à ne pas avoir confiance en toi, à demander le divorce, c'est parce que tu es un menteur. Tu mens comme tu respires. À chaque fois, tu ne dis pas la vérité. Est-ce que c'est possible pour toi? Parce que ce que la femme veut, c'est peut-être te connaître mieux. Parce qu'homme de Dieu, il y a des couples comme ça. Tu restes 10 ans, 15 ans, 20 ans avec un homme, mais tu te rends compte que tu n'as jamais connu cet homme-là. Que vous vivez dans un mensonge total. Dès le départ, votre relation a été basée par le mensonge. Cet homme-là est venu avec des mensonges et c'est après que tu te rends compte que cet homme-là s'est moqué de toi, s'est amusé de toi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'homme voit que non, je préfère rester ici parce que j'ai tant à gagner qu'à perdre. Mais tu veux pas qu'on te divorce, tu veux pas qu'on te chasse de la maison, tu veux pas qu'on se sépare de toi. Mais commence un peu à vivre dans la vérité. Dis la vérité à ta femme. Qu'est-ce que tu caches? Qu'est-ce qui fait que la femme n'a pas confiance en toi? Vis dans la vérité. C'est ainsi que la femme va ouvrir son cœur. Tu veux que la femme te pardonne, te garde encore avec toi. Dis la vérité. Même s'il y a des difficultés, des problèmes, des maladies que vous traversez, la vérité libère. Si tu ne guéris pas jusque maintenant, c'est parce que tu as encore des zones d'ombre. Il y a des choses que tu caches. Avec Dieu, Dieu est la lumière. Dieu, c'est la lumière. Même quand tu caches des choses, un jour, ça se saura. Le fait que tu caches, le diable va t'exposer. Tu vas t'exposer et tu seras sûr. Pour que la femme va te rejeter, ne voudra plus de toi. La faute ne sera pas à Dieu, mais la faute sera de toi. Tu sais bien que le divorce est mauvais, mais tu ne fais rien pour t'impliquer que ce mariage-là marche. Commence à Bon, marcher dans la gloire à vérité, Dieu, dans la gloire à Dieu, Pasteur sincérité. Odomine. Merci beaucoup, Pasteur. Donc, c'est vraiment Amen. notre devoir à nous de sauver ce mariage. Donc, nous devons prendre des résolutions et nous devons identifier le problème. Donc, C'est avoir, remettre donc, en question. Qu'est-ce qui fait que ma femme n'est identifier pas le problème. confiante en C'est moi? ça que je dis. Remets-toi en question. Prends la résolution de sauver ton mariage et prends le temps d'identifier le problème. Le problème que tu as avec ta femme, c'est quoi? Tu peux demander à ta femme, qu'est-ce que tu me reproches? Amen. D'accord? Tu peux demander à ton mari, qu'est-ce que tu me reproches? Homme de Dieu, Et des nous gens pouvons qui se sont travailler sur remariés. ça. Il a fait une femme, il est avec une femme, il a fait une autre femme. Toujours, il se prend comme une victime à cette femme-là. Mais qu'est-ce qui fait que les femmes ne te supportent pas? Remets-toi en question. Qu'est-ce qui fait que la première femme ne t'a pas supportée? La deuxième femme ne t'a pas supportée? La troisième ne t'a pas supportée? La faute, ce n'est pas toujours aux femmes. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Remets-toi en question. Change ton comportement. C'est ainsi. Parce que si tu ne changes pas, tu vois que cette femme-là va te laisser. Elle va pas sacrifier ta vie tout entière à cause de toi. Elle va te laisser. Tu vas encore refaire et ce n'est pas le but. Gloire à Dieu, merci, merci, Pasteur Honorine. Donc voilà, donc nous sommes arrivés au moment de la prière. Donc là, nous allons rentrer en prière parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais comme on le dit, nous essayons toujours de partager le temps à Dieu, c'est-à-dire de respecter le temps. Et demain, le téléphone sera ouvert. Donc Amen, voilà, amen, donc nous amen, allons amen, faire amen. avec le téléphone ouvert pour que vous puissiez aussi apporter votre apport. Et ensemble, nous allons essayer de répondre à la lumière de les Écritures. Voilà ma sœur, voilà mon frère. Donc nous allons nous incliner devant la présence de Dieu. Ce matin, nous voulons lui dire merci parce qu'il nous a gardés en vie. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit dans le livre de Psaume, chapitre 150, le sixième verset, le verset qui clôture l'Ancien Testament. La Bible nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Bien-aimés, nous sommes en vie et à cette raison, nous pousse maintenant à élever nos voix et à dire merci à Dieu. Là où tu es, bien-aimé dans le Seigneur, sur ton lit, là où tu es en train de te préparer, toi qui es en train de prendre un bain, toi qui es en train de se laver, toi qui es au volant de ta voiture, toi qui es dans ton lieu du travail, en train de suivre, précéder l'aurore, ma sœur, prends une minute, prends 2 minutes, prends 3 minutes, lève ta voix et commence à bénir le nom du Seigneur. David a dit, mon âme, bénis le nom du Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il a fait de bonnes choses, bien-aimé dans le Seigneur. Une des raisons pour laquelle tu es toujours en vie, c'est parce que cette nuit encore, il a combattu tes ennemis qui étaient venus avec la seule objectif de mettre fin à ta vie. Dieu les a combattus, Dieu les a chassés. Élève ta voix là où tu es, ma sœur, et commence à bénir le nom du Seigneur. Alléluia. Nous lui disons merci. Merci Seigneur merci Jésus, parce que je t'ai tu nous béni as mon donné la rocher, vie. je t'ai béni ma forteresse. Merci parce que tu nous as La gardés en force vie, qui me Seigneur. sauve, Seigneur, Alléluia. c'est toi, je t'ai dit Tu nous merci as gardés pour en ta vie. fidélité. Alors que Merci les pour ta autres qui étaient main-puissance. avec nous sont Merci parce morts. que tu es mon Alléluia, protecteur. Seigneur, Seigneur, je nous te te dis disons merci merci. pour la vie que tu Alléluia, m'accordes. Je bénis te le dis Seigneur. merci, mon rocher. Tu lui Je te dis merci, merci, tu mon lui merci, libérateur. tu Je te lui dis merci. merci.
mon Oh, ce bouclier. matin, nous Je te dis bénissons le merci, nom de ma haute notre Dieu. retraite, la force qui me Oh, ce sauve. matin, nous Je me dis bénissons que le ton nom nom de soit notre loué, que Seigneur. ton nom soit Que exalté ton nom soit pour la vie que exalté tu dans ma vie. renouvelles ce Au matin, nom de pour le souffle Jésus-Christ de vie de que tu as Nazareth, donné ce tu matin, m'as pour donné la la vie. confiance que tu m'as redonnée Oh, ce matin, alléluia, pour ta alléluia. fidélité que tu as Tu as manifestée ce permis que je me matin, réveille ton ce amour matin, que tu as alors démontré que ce beaucoup ne matin. vont pas Je se te dis réveiller, merci pour ta alors que fidélité. beaucoup sont Oh Seigneur, tu morts. t'es levé ce Mais matin dans toi, ma tu es là, maison. tu es là Tu pour as moi. renouvelé la Oh, vie, le le Dieu souffle de de ma vie. vie soit Tu as béni. renouvelé ta grâce, ta bonté, ta Le fidélité, Dieu de tes ma vie faveurs, tes soit béni. opportunités. Tu as Alléluia, renouvelé ce matin dans ma alléluia, maison. alléluia. Raison pour laquelle je viens te Au bénir nom de ensemble Jésus-Christ avec et les les âmes de mes Nazaréthiens, enfants, de mon mari. au Nous nom te disons puissant merci pour et ta glorieux de fidélité. Jésus-Christ et les Merci pour la vie, Nazaréthiens. le souffle de Oh, vie. je te dis merci pour ma Au femme. nom puissant Oh, de je te Jésus-Christ dis merci pour Nazareth, mes Seigneur, il enfants. n'y a que toi Oh, qui je peux te dis garder merci pour quand nous mon dormons, quand nous Église. nous Je couchons. te dis Nous merci, sommes dans Seigneur, les pour le séjours de mort, membre de car la nous sommes divine alliance, inconscients ô et nous éternel ne mon sommes pas Dieu. conscients de Je notre te bénis mémoire. pour l'air Seigneur, vie, c'est toi qui Seigneur. viens L'air vie est renouveler. Les précieuse mises à pour moi, jour, les Seigneur. membres fait les mises à Éternel, jour. bénis-les Et toi, et tu viens garde-les, faire ô une mise à éternel jour des tout le armées. matin de Alléluia. notre mémoire, de Seigneur, notre alors que nous cerveau. étions en Et nous train pouvons de nous dormir, souvenir que, toi, tu comment nous étais là et tu appelons. nous as Nous pouvons protégés, nous souvenir Seigneur. que nous Tu sommes des nous as besoins pour gardés, notre Seigneur. Tu famille. nous as Nous nous bénis. souvenons Nous que nous n'avons sommes pas tes un enfants. autre Dieu, Seigneur, nous te Seigneur. bénissons, Seigneur, pour la Alléluia. grâce que tu nous Seigneur, fais. Merci pour ta merci pour ma bonté. vie, merci pour Merci ta pour ta bonté. fidélité. Alléluia. David a dit dans le psaume 6, il dit à Dieu, ne m'épinis pas dans Dans ta ta colère. prière, Or, nous alléluia. voulons implorer la miséricorde de Dieu Bénis dans tu ta le nom, vie. Seigneur Or, nous voulons Jésus. implorer sa grâce dans notre vie. Que ta Nous voulons grâce le se Dieu, repose Seigneur, sur nous ne nous. méritons pas Ta le fidélité durera pardon, toujours, mais ton toi, ta amour durera grâce nous fait toujours, ta grâce durera bénéficiaire. toujours. Oh, de ton pardon, Seigneur, ne nous traite pas selon nos iniquités, ne Alléluia. regarde pas ce que nous avons fait du mal, Compatissons, Seigneur. Ayez compatissons, pitié de nous. Le Dieu compatissons. riche en bonté, le Dieu riche Compatissons. en miséricorde, implore la miséricorde de Dieu dans ta vie, implore la miséricorde de Dieu dans ta famille. Demande à Dieu de te pardonner, demande à Dieu de pardonner ta famille, demande à Dieu de pardonner tous ceux qui te sont chers, tous ceux qui te sont proches. Au nom de Jésus-Christ et de Alléluia, Nazareth, merci Seigneur, c'est j'attends toi qui me quelqu'un qui élève pardonnes sa de mes voix péchés, et qui demande à Dieu car de le tu es pardonner. riche en Le bonté, Dieu qui tu es pardonne le riche en péché, tous les miséricorde, hommes viendront vers Dieu toi. miséricordieux, Alléluia, David a c'est dit dans toi le qui pardonnes psaume, mes tous péchés, les oh hommes l'éternel Dieu viendront vers toi parce que tu miséricordieux, es celui tu qui es pardonne le compatissant péché. Seigneur, Ayez tu es pitié lent de à la moi, colère Seigneur, Seigneur, pardonne-moi pour tu es le riche en mal que je bonté, t'ai tu fait, es riche en pardonne-moi fidélité, Seigneur pour la Bible dit dans le psaume l'infidélité, 103, pardonne-moi pour tu la ne contestes pas fornication. sans cesse, tu ne gardes pas ta Pardonne-moi, colère Seigneur, peut-être toujours, je me suis tu ne me traites divorcé pas là selon où je mes ne devais péchés, pas tu ne me divorcer, punis Seigneur. pas selon mes Pardonne-moi parce que je me iniquités, suis mais si remarié prends pitié de pendant que moi, toi tu voulais Seigneur que je Jésus, puisse ta grâce est arranger sur moi. ma Oh première Seigneur, mon relation. Dieu, mon Est-ce roi, que tu peux je me viens pardonner auprès de aujourd'hui, toi au bas Seigneur? de ta croix Seigneur, pour est-ce que tu peux implorer me ta pardonner aujourd'hui, miséricorde, Seigneur? pour implorer ton J'implore ton pardon. pardon dans ma vie, Seigneur. J'implore, Seigneur Le Jésus, pardon se mon trouve auprès de comportement. toi. J'implore, Le Seigneur pardon Jésus, se mon mauvais trouve comportement. auprès Je de viens toi, te demander Seigneur. pardon, Seigneur Pardonne-moi, Jésus, Seigneur. pour Ne mon m'épinis attitude. pas, Seigneur, à cause de Pardonne-moi, mes Seigneur, mon Dieu, paroles mon roi. À mensongères. cause de Ne me moi, punis pas, ne punis Seigneur, pas mes à cause enfants. de mon À cause de comportement moi, ne adultère. punis pas mon Ne me mari. punis pas, À Seigneur, cause de à moi, cause de ne mes punis pas erreurs, ma maison. Seigneur. Or, Seigneur, je te que mon demande pardon passé et aie n'ait pitié de moi. détruit pas mon Aie pitié de présent. moi. Seigneur, La je Bible plante ta déclare, miséricorde autant dans ma vie. l'Orient est éloigné de Je l'Occident, plante ta de grâce la dans même ma façon vie. que tu Au es loin de nom moi de mes Jésus-Christ et de transgressions. La Nazareth. Bible déclare, autant les cieux Alléluia. sont élevés Seigneur, ne au-dessus me de la punis pas terre, à cause c'est des ainsi iniquités de que mes ta parents. grande bonté et Seigneur, ne me punis miséricorde pas est à cause sur de la moi. Seigneur, je fornication te de dis mes parents. merci Ne parce me que tu es punis un pas à Père cause de compatissant. Tu es l'adultère de lent à mon la père, colère, Seigneur. tu es riche Ne en me punis bonté, pas, tu es Seigneur, riche à en cause de leurs fidélité. erreurs. Tu Oh, pardonnes ceux qui David te a dit, craignent. Seigneur, Seigneur, je te dis ma merci mère m'a pour le conçu pardon de dans le péché. d'iniquité, Pardonne-moi, mais toi Seigneur tu veux Jésus. que la vérité Pardonne soit au mes fond de mon enfants, Seigneur cœur. Jésus. Seigneur, Pardonne mon pardonne-moi, mari, Seigneur. Seigneur Jésus. Pardonne-moi, Pardonne Seigneur. Adonai, Pardonne Seigneur Jésus. ma famille. Pardonne Oh, Adonai, pardonne Seigneur mes Jésus. enfants. Pardonne Oh, Azaria, pardonne Seigneur mon Jésus. église. Pardonne Asna, Ayez Seigneur pitié de Jésus. nos Seigneur Pardonne Jésus. nos fautes, Au pardonne nos nom de péchés. Au Jésus-Christ et nom des puissant du Nazareth. Seigneur Jésus-Christ Ah, de j'entends Nazareth. quelqu'un qui dit Seigneur Jésus. Seigneur Oh, Jésus. je plaide de ton sang Je dans ma plaide vie. ton sang dans ma Oh, vie. que ton sang me Que ton lave. sang me La lave. Bible La Bible déclare, déclare, ils l'ont vaincu l'ont vaincu à cause à du sang. cause du sang Je de plaide l'agneau. de ton sang Je dans ma plaide vie. de ton sang dans Je ma vie. plaide de ton Je sang dans ma plaide de vie. ton sang dans ma Depuis vie. le sommet de ma Depuis le tête, sommet de ma tête, jusqu'à la plante jusqu'à de la mes plante pieds, de mes pieds. lave-moi par ton Lave-moi sang. par ton sang, Seigneur Seigneur. Jésus, Seigneur que Jésus. ton sang me Que ton lave. sang me lave. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. que ton sang me Que ton sang lave. me Lave mes lave. Lave pensées mes par ton pensées par sang. ton sang. Purifie mes Purifie pensées, mes pensées au par ton nom de sang. Jésus-Christ. Au nom puissant Seigneur et glorieux Jésus, de Jésus.
lave mon corps de tous les dépôts maléfiques que j'ai hérités de l'occultisme de mes parents, de la sorcellerie de mes parents. Lave-moi, Seigneur, de tous les dépôts maléfiques au nom de Jésus-Christ. Lave-moi ce matin de tous les dépôts maléfiques que j'ai hérités par la sorcellerie au nom puissant de Jésus. Lave-moi de toutes les marques d'identification diabolique. Seigneur Jésus, j'évoque ton sang dans ma vie. Je plaide ton sang dans ma vie. Lave-moi par ton sang. Fais pleuvoir sur ma vie la pluie de ton sang. Nous invoquons le sang de Jésus. Alléluia. Commence à évoquer le sang de Jésus. Oh, pour la purification, que le sang de Jésus-Christ te lave. Oui, Seigneur, lave-moi par ton sang. Oui, Seigneur, purifie-moi par ton sang. Oh, alléluia, Seigneur. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Je me plonge dans ton sang. Je me plonge dans ton sang, Seigneur. Oh, purifie-moi et je serai plus blanc que la neige. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, j'entends quelqu'un qui invoque le sang de Jésus. Oh, alléluia. Le sang. Oh, que ton sang me lave. Que ton sang efface le marque diabolique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes en train d'évoquer le sang. Ah, une âme est en train d'évoquer le sang. Oh, une âme est venue invoquer le sang. Ah, j'entends quelqu'un qui invoque le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, quelqu'un dit avec moi, Seigneur Jésus. Oh, couvre ma vie par ton sang. Oh, couvre ma vie par ton sang. Seigneur Jésus, j'invoque la couverture de ton sang. Que ma vie soit couverte par ton sang. Comme la vie de première née hébrée. Couvre-moi par ton sang. La Bible déclare dans le livre d'Exode, chapitre 12, le verset 13, je passerai, je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Seigneur Jésus, que la mort passe par-dessus moi, que la maladie passe par-dessus moi. Marque-moi par ton sang, marque-moi par ton sang, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, marque-moi par ton sang. Commence à invoquer la couverture de sang de Jésus. Oh, que ton sang me couvre, que ton sang couvre mon entreprise, que ton sang couvre mon église, que ton sang couvre mes biens, oh, que ton sang couvre mes diplômes. Oh, j'entends quelqu'un qui prie. Seigneur, couvre-moi par ton sang, que mes reins soient couverts par ton sang, au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Ah, commence à évoquer le sang de Jésus. Oh, au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Nous sommes en train d'évoquer le sang de Jésus. Ils l'ont vécu à cause du sang. Au nom de Jésus-Christ. Oh, remplis-moi par ton sang. Remplis-moi par ton sang. Oh, que ma chambre soit remplie par ton sang. Sous mon lit, j'envoie le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ah, j'entends quelqu'un qui invoque le sang. Ah, j'entends quelqu'un qui invoque le sang. Le sang de Jésus-Christ. Au volant de ma voiture, je vogue le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le sang. Au nom de Jésus-Christ, c'est de Nazareth. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que ton sang efface. Oh, quelqu'un dit avec moi, Seigneur Jésus. Efface mon nom et le nom de ma famille dans le registre de ceux-là qui vont mourir à l'année 2018. Que mon nom soit effacé dans leur registre. Dans leur registre, au nom de Jésus-Christ, je fasse mon nom, le nom de ma femme, le nom de mes enfants, dans le registre de la mort, de ma famille, de ma belle famille, de mon église, au nom de Jésus. Allez, commence à effacer ton nom maintenant. Prends le sang de Jésus. Commence à effacer comme une gomme. Efface-le maintenant. Alléluia, dans le registre de la mort, tu effaces maintenant. Au nom puissant de Jésus. Allez, commence à effacer. Ah, j'entends quelqu'un qui dit, je ne mourrai pas, je vais vivre et annoncer la bonne nouvelle. C'est pourquoi ce soir, ce matin, je viens effacer mon nom. Ah, je vais effacer mon nom dans la liste de ceux-là qui vont mourir, dans le registre de ceux-là qui vont mourir, dans le registre de ceux qui vont être malades. Au nom de Jésus-Christ, commence à effacer maintenant. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à effacer le nom. Efface le nom. Efface le nom, ma sœur. Efface ton nom. Efface ton nom. Efface ton nom. Ne sous-estime pas ta parole, bien-aimé dans le Seigneur. Ne sous-estime pas ta prière. Il n'y a pas quelque chose qui soit plus efficace que la prière. La Bible nous dit, ce par tes paroles que tu pourras te justifier et ce par tes paroles que tu seras condamné. Ne t'étais pas parle, bien-aimé dans le Seigneur. Oh
Si j'étais toi, j'allais parler. Si j'étais toi, j'allais effacer. Oui, ta sœur est malade parce que son nom est écrit dans le registre de mort. Tu peux effacer son nom dans le registre de ceux qui vont mourir dans ta famille. Tu peux effacer le nom de tes enfants. Efface-le maintenant au nom puissant de Jésus. Je me présente devant toi, Seigneur. Je viens effacer le nom de mon épouse, le nom de mes enfants, le nom de membres de ma famille, le nom de ceux à qui sont alléluia, chers, au nom de Jésus-Christ. Commence à effacer maintenant. Oh, ce matin, nous sommes en train d'effacer. Efface le nom de tes petits-enfants. Ah, nous sommes en train d'effacer. Efface le nom de ton père. Allez, commence à effacer. Commence à effacer son nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, les Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Seigneur Jésus. J'entends quelqu'un qui dit avec moi, Seigneur Jésus, en toute arme de destruction façonnée contre moi, soit détruite par le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, feu du Saint-Esprit, consume les armes de destruction qui ont été façonnées contre moi. Au nom de Jésus-Christ, localise-le maintenant et consume-les. Au nom de Jésus, allez, commence à détruire les armes de destruction que le diable a façonnées contre ta vie. Commence à les détruire maintenant. La maladie est une arme que le diable utilise pour te détruire. Détruis la maladie dans ton corps. Oh, alléluia. L'arme de la maladie, tu peux la détruire maintenant. L'arme de l'accident, tu peux la détruire. Quelle que soit l'arme que l'ennemi est en train de planifier pour détruire ta vie, est-ce que tu peux le détruire maintenant? J'entends quelqu'un qui monte dans la prière. J'entends quelqu'un qui explose dans la prière. J'entends quelqu'un qui s'éclate dans la prière. Monte dans la prière avec moi. Oh, sur une échelle de 10, tu es encore à 4. Monte encore, monte encore, monte encore. J'entends que tu montes. Monte encore, monte encore. Monte encore, monte encore. Allez, commence à détruire. Détruis la maladie. La maladie est une arme que le diable a façonnée pour détruire ta vie. Commence à les détruire maintenant. Oh, il y a des choses qu'il a placées dans ton corps. Ce sont ses armes. Tu peux la détruire maintenant. Est-ce que tu peux la détruire maintenant? Prends le feu, prends le feu, prends le feu. Ah, je vois que le feu de Dieu maintenant. Au nom puissant de Jésus. Allez, commencez à invoquer le feu. Alléluia. Alléluia. Feu de Dieu, combat tous les domaines de ma vie que le diable a affecté. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Allez, commence à prier maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Alléluia. Au nom de Jésus. Ah, quelqu'un dit avec moi, en vertu de pouvoir et de l'autorité qui m'a été conférée, que le feu de Dieu disperse le rassemblement maléfique contre ma destinée, contre ma vie. Au nom puissant de Jésus, que les démons de ma famille, de ma belle famille, qui se sont rassemblés, qui se sont réunis pour décider contre ma vie, le feu de Dieu vous disperse, le feu de Dieu vous consume. Au nom de Jésus, les agents du diable qui sont en train de se rassembler pour détruire nos vies, pour détruire mon couple, pour détruire mon foyer, que le feu de Dieu vous localise ce matin, là où vous êtes. Vous n'allez pas avoir la paix. Je vous enlève la paix. Je vous enlève la paix. Que le feu de Dieu vous consume. Avoir le feu, avoir le feu, avoir le feu. Au nom de Jésus, ils seront dispersés. Au nom de Jésus-Christ, qu'il manque la paix. Au nom puissant de Jésus, allez, commence à prier maintenant. Allez, commence à prier maintenant. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tout le mécanisme d'échec qui a été conçu contre moi, je vous change en succès. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, avoir le feu de Dieu maintenant. Au nom puissant de Jésus. Avoir le feu de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, avoir le feu de Dieu. Ce matin, nous sommes en train d'envoyer le feu de Dieu. Ce matin, nous sommes en train d'envoyer le feu. Avoir le feu de Dieu maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'entends quelqu'un qui prie. J'entends quelqu'un qui prie. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit avec moi, j'emploie le service des anges. Je vous envoie pour aller ouvrir le porte que l'ennemi a fermé dans ma vie. Le porte de mes opportunités que le diable a fermé. Que cela s'ouvre maintenant. Au nom de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, le clé de David.
Ouvre pour moi le porte que l'ennemi a fermé dans ma vie, le porte du mariage que la sorcellerie de ma famille a fermé. Je le ouvre maintenant. J'ouvre le porte du mariage. J'ouvre le porte de l'élévation. J'ouvre le porte. Allez, commence à ouvrir maintenant. Que le porte s'ouvre maintenant. Ah oui, nous sommes en train de prier. Oh, alléluia. Le porte que la sorcellerie avait fermé, ouvre-le maintenant. Au nom puissant de Jésus. Sorcellerie de ma famille tombe eux-mêmes. La sorcellerie de ma famille tombe eux-mêmes. Au nom de Jésus. De toutes les portes qui avaient été fermées, s'ouvre maintenant. Au nom puissant de Jésus. Allez, commence à ouvrir maintenant. Allez, commence à ouvrir maintenant. Allez, commence à ouvrir maintenant. Les portes du mariage. Allez, commence à ouvrir maintenant. Les portes des affaires. Allez, commence à ouvrir maintenant. Les portes de l'élévation. Allez, commence à ouvrir maintenant. Les portes de la grandeur. Allez, commence à ouvrir maintenant. Au nom puissant de Jésus. J'entends quelqu'un qui prie. J'entends quelqu'un qui prie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit avec moi, tout vêtement mis sur moi par la sorcellerie. Que cela soit mis en pièces. Au nom de Jésus-Christ, j'enlève et je déchire le vêtement de la sorcellerie, le manteau de la sorcellerie, la robe de la sorcellerie, le costume de la sorcellerie, le voile de la sorcellerie, les habits de la sorcellerie qui m'avaient été revêtus, qui m'avaient été revêtus par la sorcellerie, par l'occultisme, par le parent sorcier, par la femme sorcière. Commence à lever la robe au nom de Jésus. Commence à lever la robe. Commence à lever la robe. Au nom puissant de Jésus. Moi, pour la vie, je ne suis pas un sorcier. Je lève le robe noir, le habit noir. Commence à lever maintenant. Ah, j'entends quelqu'un qui prie. Tu pries avec le geste. Enlève, enlève. Enlève. Enlève la robe de l'impudicité. Alléluia. Enlève la robe de la fornication. Alléluia. Enlève la robe de l'esclavage. Le vêtement de l'esclavage. Tu t'avais été revêtu, tu les enlèves maintenant. Au nom puissant de Jésus. Enlève le vêtement de la honte. Le vêtement de la honte. Le vêtement du péché. Le vêtement du prisonnier. Tu es libre maintenant. Tu dois régner avec le roi. Oh, alléluia. Le vêtement de l'esclavage. Allez, commence à lever maintenant. Ah, j'entends quelqu'un qui enlève ce matin. Ah, si j'étais toi, j'allais prier fort. Ah, si j'étais toi, j'allais enlever. Ah, si j'étais toi. Alléluia. Alléluia. Commence à prier maintenant. Commence à lever maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à lever maintenant. Au nom puissant de Jésus. Ah, j'entends quelqu'un qui dit avec moi, Satan, écoute-moi bien. Démons, prêtez-moi vos oreilles. Je parle au nom de Jésus-Christ. Je ne permets à aucun esprit de prendre mon visage et d'opérer avec. Au nom de Jésus-Christ, que le fait de Dieu consume tout esprit qui se permet de prendre mon visage et d'opérer avec. Marie spirituelle, femme spirituelle, toi qui prends mon visage à partir d'aujourd'hui, que le feu de Dieu te consume. Ne prends plus mon visage. Au nom de Jésus, que lorsque moi je m'endors, aucun démon n'utilise mon image pour aller ensorceler, pour aller abuser le corps de femme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Satan, toi qui utilises mon visage, que le feu de Dieu te consume. Démons, principautés, autorités maléfiques, toi qui se permets d'aller envoûter avec mon visage. Pour que les gens disent que moi je suis un sorcier, pour que les gens disent que moi je suis un impudique, pour que les gens disent que moi je suis un faux serviteur de Dieu, que le feu de Dieu te rencontre là où tu es, que le feu de Dieu te localise là où tu es, reçois le feu de Dieu. Je te permets plus d'utiliser mon visage, je te permets plus d'utiliser mon visage au nom puissant de Jésus. De la même manière, Dieu a refusé d'être représenté, personne ne peut me représenter au nom puissant de Jésus. Non puissant de Jésus. Personne ne peut me représenter. Personne ne peut pas me représenter. Écoute-moi bien, mais dans le Seigneur. Ah, tu vas aller maintenant dans la maison de ton père. Tu vas aller, tu vas rentrer. Ouvre la porte de la maison de ton père. Rentre maintenant. Oui, retourne, retourne, retourne. Là où tu te vois toujours, là, en Afrique. Oui, tu dis que tu te vois toujours en Afrique. D'accord. Alors, même quand tu ne veux pas, il te ramène toujours. Ok, maintenant, nous allons aller là où il t'amène. Tu vas aller dans cette maison maintenant. Tu vas allumer le feu de Dieu.
Dieu. Au nom de Jésus-Christ, là où il te ramène, oui, vas-y maintenant, rentre dans cette chambre où tu te vois toujours. Allez, allume le feu de Dieu maintenant. Ah, je dis, tu rentres dans cette maison. Oui, ton oreille va rester dehors. Tu écoutes ma voix. Rentre maintenant dans cette maison. Allez, rentre dans les salons de tes parents. Rentre maintenant. Oui, là où ils avaient emprisonné ton âme. Tu vas libérer ton âme dans cette prison. Au nom puissant de Jésus. Tout ce que tu avais laissé dans cette maison-là, tu le prends maintenant. Je dis, tu rentres dans cette maison. Tu rentres dans cette maison avec le feu de Dieu. Allez, commence à les trouver maintenant. Au nom de Jésus. Là où tu as grandi. Est-ce que tu peux allumer le feu? Est-ce que tu peux allumer le feu? Est-ce que tu peux allumer le feu? Allez, retourne maintenant. Retourne dans la maison de ton père. Rentre dans la maison de ton père. Rentre dans sa chambre maintenant. Les hôtels maléfiques qui combattent ta vie. Se retourne dans cette maison-là. Allez, retourne maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Rentre dans ton cachet. Là où tu te retrouves tout le temps. Allez, détruis ce quartier maintenant. Allez, détruis-le par le feu. Allez, détruis-le par le feu. Allez, trouble-le par le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère mon âme de toutes les prisons sataniques. Mon âme sort de la prison satanique. Au nom de Jésus. Allez, rentre. Je rentre à Kaouka. Rentre maintenant. Je rentre dans mon salon. Je rentre dans la chambre de mon père. Au nom puissant de Jésus. Commence à détruire maintenant. Alléluia. Apporte le feu de Dieu. Apporte le feu de Dieu. Apporte le feu de Dieu. Trouble-les maintenant. Plus jamais vous me ramenez dans votre réunion. Je ne suis pas un membre de votre réunion. Plus jamais vous me ramenez dans vos réunions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'attise le feu. Allez, commence à prier maintenant. Consume partout où j'ai été emprisonné, dans la maison de mon enfance. Soyez consumé par les faits. Libère mon âme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un va recommander sa journée entre les mains de Dieu. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour cette journée. Que cette journée soit une bonne journée. La Bible a dit qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Que cette journée t'apporte le bonheur, le succès, l'élévation, la grâce de Dieu. Amen. Que tu puisses rencontrer de bonnes personnes. Alléluia. Que tu sois au bon endroit, au bon moment et dans les bonnes circonstances. Que la journée d'aujourd'hui soit une bonne journée pour toi. Élève ta voix, commence à prier. Jésus, ma matinée, au nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom. Roi des gloires, tout puissant, nous te disons merci. Roi de Salem, nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci. Sois béni, Seigneur Jésus. Contrôle ma journée, Seigneur, depuis le commencement, depuis que je me suis réveillé, c'est toi qui es au contrôle. Seigneur, je laisse mon chemin tout saintement, tous les déroulements de la journée, de mes enfants, de mon mari, tout ce que nous avons prévu à faire aujourd'hui, Seigneur, soit au devant, que ton sang nous précède, merci, Seigneur, que ton Jésus. Sang nous accorde la protection, sois avec Jésus. Nous, et que tout s'efface, tout ça, sous ta grâce, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Quelqu'un dit avec moi, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Quelqu'un dit encore avec moi, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. 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 Et amen. Gloire à Dieu. Voilà, Pasteur Honoré. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous voulons vous annoncer qu'aujourd'hui, nous sommes au Gré Serein. Aujourd'hui, c'est jeudi. Et nous sommes là déjà à partir des midi pour les consultations. Si tu as besoin de voir l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, homme de Dieu, apôtre où la vie est là, papa Eric est là, tu as besoin de venir. Tu seras encadré, donc la permanence est là et ouverte. Et nous avons notre culte qui commence à 17h. Je t'invite à venir, venez nombreux pour prier. Aujourd'hui, c'est le jour de combat spirituel. Aujourd'hui, nous combattons les principautés, les dominations, les esprits méchants, dans les célestes qui ne nous aiment pas. Nous aussi, nous ne les aimons pas, nous les combattons au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Je vois, il y a des moments qui demandent le numéro de téléphone de l'apôtre pour demain. Donc, le numéro est en train de passer là, mais sinon, je peux encore le répéter. C'est le 0032, donc 0032, le préfixe de la Belgique, 486 813 488. 0032 486 813 488. Donc, on doit donner des numéros. Non, c'est bien de travailler avec un seul numéro. Bientôt, vous aurez le numéro fixe de l'église parce que nous sommes encore au chantier, comme vous le voyez dans les vidéos, tout ça. Hein, mais vraiment, la maintenance sera là, la permanence sera là, le secrétariat sera là et vous aurez le numéro fixe et vous aurez les heures de consultation
au téléphone, mais pour le moment, nous utilisons toujours nos téléphones portables. Si vous voulez nous joindre, vous pouvez utiliser le téléphone portable en attendant que le fixe pour le bureau de l'église arrive. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. J'aimerais lancer un appel pour dire à un papa qui connaît le métier ou qui veut seulement aider de venir nous rejoindre au chantier parce que nous avons besoin de la main-d'œuvre. Peut-être que tu ne connais pas le métier, mais tu vas peut-être nous aider à porter une brique. Tu vas nous aider à porter un sac de ciment, tu vas nous aider à ranger, à help, comme les Néerlandais disent, tu vas help vraiment dans le chantier de Dieu. Nous avons besoin de ton help, nous avons besoin vraiment que tu viennes aider, nous avons besoin de la main-d'œuvre. Et nous sommes toujours là. Nous attendons ta participation. La maison de Dieu est en train d'être construite. Si tu veux demeurer, comme la Bible dit, comme le roi David a dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est le moment. Il faut en profiter, les enfants de la Divine Alliance. C'est maintenant qu'il faut mettre ta brique dans la maison qui s'est construite. Il ne faut pas venir en retard. Il ne faut pas faire semblant comme si tu ne vois pas, comme si tu n'écoutes pas. C'est de la Divine Alliance, mais tu fais comme si tu ne connais rien, comme si tu ne vois pas. Tu sais qu'il y a les chantiers. Donc, réagis. Nous attendons la participation, pas seulement d'une seule personne, pas seulement les gens qui ont l'habitude. Non, nous avons besoin de la participation de tous les enfants de la Divine Alliance. Que tu viennes une fois ou occasionnellement, mais tu es enfant de la Divine Alliance, apporte ta participation. Nous avons besoin de cela. Et les enfants des possédés de l'aurore aussi. Hein. Les enfants des possédés de l'aurore ont beaucoup réagi. Amen. Mais les enfants de la maison, ça m'étonne qu'ils réagissent. Quelques-uns réagissent, mais pas tout le monde. Et pourtant, ces autres-là font partie de la maison. Il y en Amen. A qui font la sourde oreille comme s'ils voient rien, ils n'entendent rien. Mais je lance un appel, je sais que tu sais. Vraiment, viens mettre ta pierre dans l'édifice qui s'est construit et tu pourras dire que nous avons construit cette église. Voilà ce qui était pour de communiquer. Je ne sais pas si tu as encore un autre communiqué, homme de Dieu, pour aujourd'hui. Non, je crois que ça va, ma sœur. Voilà. Non, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous sommes contents de vous revoir aujourd'hui. Si Dieu nous fait grâce, nous garde encore en vie, et même si Jésus-Christ ne revient pas encore, donc sûr et certain que nous reverrons encore demain pour notre ligne ouverte. Pour vos réactions, écrivez. Nous voulons faire cette émission avec vous. Nous pouvons, demain, c'est vendredi, nous pouvons déborder un tout petit peu. Et ceux qui vont aller travailler vont nous laisser, ils vont peut-être suivre en différé. Mais nous voulons répondre à certaines questions qui nous sont posées. Vraiment, avec la sagesse du Saint-Esprit, nous voulons apporter une aide pour cela. Que sa journée soit bonne, que ta journée soit belle, que ta journée soit réussie. Et je veux de bonheur, de faveur au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous laissons et nous vous disons à très bientôt. Merci et au revoir.